Yo tout le monde, ici Smash, je centre bien le micro, et voilà, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 7 sur notre Let's Play Metroid, zéro mission sur GBA. Je recharge mon énergie pendant que je blablate. On avait récupéré le costume Varia pendant l'épisode 6, qui nous permettait donc de survivre dans les endroits tels que l'acide, la chaleur, etc., qui nous permet vraiment de survivre à des conditions qui sont pas possibles normalement. Donc là, on va pouvoir théoriquement, voilà, ne rien subir et chercher un petit peu comment on obtient cette réserve de vie. Et voilà. C'est sûrement comme ça. Hop! Nickel, nickel, nickel. Petite réserve d'énergie. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est bienvenu parce que pour les boss, c'est important. Par là, y a rien. Ok. Bon bah nickel les amis. Alors je me souviens aussi qu'on avait repéré un passage dans la lave à un certain endroit, mais je me souviens plus où. Je regarde sur la map. Oh, ça va être dur de me souvenir où. Je pense que en passant devant, ça va me revenir, mais c'est tout. Ok, donc on avait, par contre on n'avait pas d'autre objectif, mais on avait repéré, là vous voyez le point rouge tout en haut près du gris dans le couloir, il faut aller par ici, c'est un objectif qu'on avait aperçu, là, on va les buter, qu'on avait aperçu déjà en venant sur le côté, mais qu'on avait, on n'avait pas pu y accéder en fait. Donc cette fois-ci on va tenter d'y accéder. Ah bah voilà le passage dans la lave les amis. Pas passer par là. Alors comment on peut faire? Je sais pas s'il y avait... Attends, je vais faire demi-tour. S'il y a des petites bestioles, on va essayer de les attirer en bas pour qu'ils bouffent le truc là qui était sous l'eau. Voilà. Il faut les embarquer. Non. Bon, il y en a qu'une. Est-ce que ça va suffire à bouffer le truc? Ah, je suis pas sûr. Ah si. Ah, je suis pas sûr. Est-ce que la petite bestiole peut le buter tout seul ou est-ce qu'il faut un quota? Je pense qu'il faut un quota les amis. On va recommencer, on va passer par ici. Pour éviter d'utiliser des bombes boules morphing. Tout simplement pour éviter de tuer les petites bestioles. Parce que quand ils sont fixés sur notre boule morphing, si on utilise une bombe, ça les tue. Donc voilà, on pourra pas les amener en bas. Autrement que par le premier passage qui est ici. Donc il va falloir qu'on utilise le saut de la boule morphing. Voilà, on les embarque. Très bien. Ah d'ailleurs, on leur résiste maintenant aux petites bestioles avec le costume Varia. On n'a pas besoin de sacrifier de PV. Voilà, ils vont aller se déporter sur le truc. Et le buter. Et voilà, là on est bien. On peut passer. Alors, qu'est-ce que c'est ce passage qu'on avait vu? Il n'y a rien par ici, non? Ah ben voilà! Voilà! On passe, on arrive à l'objectif en passant par en dessous. Très bien. Nickel. Oh. Donc il faut descendre, Norfer. Ouh, là c'est tout en bas. D'accord. Très bien. Écoutez, on va faire le tour par la droite, comme on n'est pas encore passé par là. On va peut-être trouver quelques objets intéressants. Oh, j'avais pas vu. On a joué un ennemi sans faire exprès. Rien par ici, on va vérifier. Ok, que dalle. Faut vérifier toujours. Ok. Bon bah on fait... Ok, d'accord. Alors,
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un passage tout en bas pour retourner à Norfair? On sait jamais, on va regarder s'il n'y a pas un petit passage caché. Oh, c'est quoi ça? La map. Ok, terminal de carte, on l'avait déjà utilisé. Donc ok, il faut qu'on passe par ici et qu'on descende dans les profondeurs, une fois de plus. Ah, donc maintenant on se prend plus de dégâts, on va pouvoir vérifier un peu partout dans la lave s'il n'y a pas quelque chose. Il faut le faire. Hein. C'est important. Ok. Il n'y a que dalle. Je suppose qu'on descend maintenant. Non, pas encore. Non, il faut continuer tout droit. On ira plus vite à continuer tout droit. Ok. Très bien. Et maintenant, on descend. Même pas. Pas encore. J'ai l'impression qu'on avance plus vite que quand... Ah, il y a quelque chose là. Ok, pas de passage en bas. Là, je vérifie parce que... Ok. Ok, pas de passage. Au moins, c'est vérifié. Par ici, on va pouvoir... voilà, faut faire casser ça. Y'a rien en dessous. Que dalle! Désolé les amis, je vérifie. Hein. Je suis un peu parano là-dessus, mais... Au moins, on loupera le moins possible d'objets. Ok, on redescend. On suit. Bah on suit la flèche en fait. Hein. C'est pas très dur. Hein. Les objectifs sont vraiment notés sur la map en fait au final. Enfin, faut quand même trouver les statues, mais. Ok. Alors, la gauche ou la droite? Moi je dirais plus par là, par en bas. Hein. Mais je ferais quand même bien un petit tour par là. Histoire de vérifier si on n'a pas laissé des objets ou si tout simplement le passage n'est pas par là. En plus, il y a beaucoup de lave. Donc il y a peut-être quelque chose à exploiter. Ah. Ah, par contre, là, on en perd de la vie. Dans cette lave-là. La lave bouillonnante, en fait, on en perd. En fait, ils font une différence entre lave et acide, je pense. Ah, par contre, là... Ah non, il y avait une réserve, il n'y a pas de passage. On a déjà chopé la réserve qui était ici. Ok, je vérifie, hein. Je suis pas sûr que ce soit par ici. Ok. Il a l'air de rien avoir par ici, hein. Il y avait seulement un objet ici avant. Qu'on a déjà attrapé forcément. Ok. Donc on revient sur nos pas. On s'est trompé. Enfin, je me suis trompé de passage. Ah, là ! Hop. Alors. Ok. On va par là. J'aimerais bien aussi rejoindre l'endroit où il y avait le vaisseau. Parce qu'on avait vu des... Au tout début du jeu, on avait vu près du vaisseau des blocs à casser avec l'accélérateur, vous savez, en courant. Meurs, s'il te plaît, merci. Et du coup, j'aimerais bien retourner voir ce que ça cache comme objet, comme passage. Let's go. Allez. On va en profiter pour faire une petite sauvegarde et pour continuer, tout simplement. On est à la moitié de l'épisode, assez tranquille, on a le temps d'avancer. Je
Je pense que des épisodes de 20 minutes comme ça sont pas mal du tout. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Parfait. On est déjà passé par ici tout à l'heure pour un autre objectif. Ok, mourez, merci. Ok, il fallait passer là en courant. Boum. Et ici, c'était Keblo, il me semble, non? Ah, il y avait une porte verte. Porte verte, porte à laquelle on n'a pas accès. Non, pas du tout. Par contre, il fallait encore courir. Je sais pas du tout si c'est le bon passage, hein. On teste. Hein. Par ici, il y avait quoi? Je vérifie un peu partout. Je préfère vérifier. Donc là, il y a un passage. Très bien. Donc là, c'est complètement adapté au costume Varia. Hein. Puisqu'on résiste au... Attends, on saute ou pas là? Voilà. Ok, là, c'est pour revenir. Puisqu'on résiste à l'acide, comme ça, vous voyez, il y a une ambiance vachement brûlante. On n'a pas le choix, il faut le costume Varia pour survivre à ça. Ok, donc en fait, il fallait y aller en boule, mais se sortir de la boule morphine. Quand on est arrivé sur la plateforme, hop là. Et on s'accroche. Très bien. Alors ici, ah c'est orangé sur la map pour signifier que c'est dans l'acide. Alors est-ce qu'il va falloir courir? Ah on perd un peu de vie quand même hein. J'ai l'impression. Non, ça doit être un ennemi. Ça va être pour courir, voilà, à tous les coups. J'en étais sûr, en voyant la grosse ligne droite qu'on a pu déblayer. Ça pouvait être que... Oh merde, je suis con. Ouais, coup, j'ai fait revenir tous les blocs. Je suis intelligent. Ah, le teubé, quoi. Ok, très bien. Vas-y, Joe. Il faut buter les petites merdes. Putain, là, je fais vraiment de la merde. J'ai l'impression que la vie descend, je suis pas sûr. Mais barrez-vous, putain. Merci. Oh, faut passer d'un coup. Ok. Go. Faut sauter au dernier moment. Voilà. Nickel. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est une merde. Ok. Bon bah, je pense qu'on est sur la bonne route pour notre objectif, là, clairement. Ah, petit point de sauvegarde. Volontiers, volontiers. Parce que là, ça se corse, hein. Ça se corse pas mal au niveau obstacle. Par ici, comment on passe? Ok, en boule morphine. Donc on peut descendre par ici, on va quand même aller voir là-bas. Ce qui se passe. Hop, merci. Pour la plateforme. Alors on passe en cédant du rayon de glace et des ennemis pour nous faire des plateformes. C'est quoi ça? Ok, on peut le tuer. Il y a un truc là. D'accord. Oula, alors là, il y a plein de portes différentes, les amis. Je suis perdu.
sais pas par où elle est exactement. Ah, la map. Très bien. J'adore ce qu'on a la map pile quand je dis je sais pas par où elle est exactement, quoi. D'accord. Ok. Carte de Norfair obtenue. Ok, merci. Donc en fait, le passage de tout à l'heure nous a amené dans une petite pièce, donc je pense que c'est un objet, on va aller le chercher. Avant de descendre plus bas. Ah, il y a aussi un passage ici, bordel de merde. Il y a des choses partout. Bon, on se retape le retour de ce passage-là, c'est un peu chiant, mais... Aïe, aïe. C'est à peine hostile ici le milieu, quoi. Ah, une porte verte, donc on n'a pas accès. Ok, on va se refaire un peu de vie, hein, les amis, désolé, mais là... Ça a plu de tuer ceux-là. Ouais, putain, je suis vraiment une merde. Bon, tant pis, j'avance, la flemme. Ok, donc on revient ici. C'était une sorte de raccourci. Ah, d'accord. Moi, je cherche à casser le bloc, mais en fait, non. Il n'y a pas besoin. Ça passe tout seul. Pas les tuer. Alors, on va faire gaffe, on va essayer de perdre le moins de vie possible, parce que là... On peut encore descendre. Ah ouais, mais... Ça nous nique de la vie et je suis dans la merde, moi. Putain. Du coup, on saute trop loin maintenant. Il faut se réhabituer à un nouveau... à une nouvelle inertie du personnage. Ok, adieu. Oh putain, on va mourir comme des daubes. Oh, il nous faut de la vie, il nous faut de la vie à tout prix, là. Un peu de vie. Putain, vraiment pas des masses, quoi. Il y a un passage ici. On peut toujours pas y aller. Un point de sauvegarde. Là, je suis carrément stressé parce qu'on a plus du tout beaucoup de vie et j'aimerais bien ne pas mourir. Ce serait pas mal. Bon, au pire des cas, on revient ici, mais bon. Ah, yes. Yes. Un puits de vie où ils sont trois. Ah putain, on va recharger toute notre vie, ça fait plaisir. Ah, génial. Ok, on est bien. Va falloir courir ou pas? Comment ça se passe? Ah mais attendez, ah oui, ok. Du coup là.
J'ai du mal à capter là. Ok, on peut passer là peut-être. Je comprends pas là. Les amis, je comprends pas. Smash ou pas comprendre. Ok. Bon, c'est peut-être pas le bon endroit. Je comprends pas. On peut pas là. Arriver en courant si. Je pense qu'on est censé arriver de l'autre côté. C'est pas possible là, franchement. Putain, on est déjà à 21 minutes 38. Bon bah écoutez, on s'arrête au point de sauvegarde. Les amis, c'était l'épisode 7 de Metroid Zero Mission sur GBA, jeu de 2004. Très bon jeu. On avance plutôt pas mal, même si là, ça commence un peu à être labyrinthique, vu qu'on a accès à beaucoup de zones avec nos nombreux pouvoirs. Et voilà, on va voir ça dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter, à vous abonner, à me suivre sur Facebook, Skype et Twitter. Et voilà, amusez-vous bien. Salut à tous !